Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bounia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé, dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyale. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées toutes en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant général Yves Filémon, commandant 3e zone de défense.